Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Crispations. Alors aujourd'hui, je vous montre ce que Scrapply. Scraplyza, oui, Scraplyza89 a gagné pour le concours des 1000 abonnés. Donc j'ai fait un petit colis que je vais y envoyer lundi. Donc vous aurez la vidéo quand elle l'aura reçue. D'accord ? Voilà. Donc, pour commencer, donc là je ne l'ai pas emballé pour vous montrer justement, je vais l'emballer dans ce petit papier là. J'ai fait une petite valise, voilà, en tissu cette fois, voilà, avec du cuir. Donc ça c'est du cuir que j'avais récupéré d'un vieux canapé à moi, voilà, donc qu'on a jeté, on a changé le canapé, puis j'ai récupéré un peu de cuir jaune. Et ben voilà, je l'ai servi. Donc j'ai fait une petite valise en tissu. Alors cette petite valise, c'est pour Alice. Voilà. Et là, c'est un petit cachet de cire que j'ai redécoupé un peu parce que c'était trop gros. Voilà. J'ai mis des petites perles ici. Et j'ai fait tous les coins de la valise en cuir. Voilà. C'est mignon, hein? Voilà. Donc, c'est des scratch, voilà, comme ça la petite elle pourra, je crois qu'elle a vers les 6 ans, donc et voilà ce qu'il y a dedans, concentré de tendresse, et je lui ai fait à la petite fille un petit nounours au crochet tout mignon, voilà, avec un petit ruban, un petit nounours avec de la dinette. Une petite dinette en crochet pour le nounours. Donc la petite casserole. Voilà la petite assiette. Le petit verre. Des petits bols. Voilà, petit bol blanc. Des petits bols roses. Voilà, on les met un peu partout. Je lui mets concentré de tendresse dedans. Et un petit mot, mini valise fait main pour la petite Alice avec son ours et sa dinette au crochet. Voilà, un petit mot dedans. Hop, la petite fille, je pense que ça va y plaire. Voilà, et comme ça, je vais pouvoir l'emballer. C'est joli, hein? J'ai fait ça aujourd'hui, alors, le samedi. Donc ça, je dois l'emballer. Je vous montre une que j'ai fait en crochet. Voilà. Aussi, donc c'est la même que l'autre. Là, j'ai mis une étoile en cachet de cire. Voilà, je l'ai tout fait en crochet. J'ai mis aussi des scratchs et ces deux autres petites souris. Voilà. Et pour Alice, j'ai fait un ours. Donc, c'est là. Le lit, c'est là. Donc, là, c'est pareil que l'autre. Ils ont une petite couverture, un petit oreiller. Et ici, pour manger. Le fromage. Voilà, c'est sympa. Mais ça sera sûrement pour l'année prochaine. À vendre. Voilà. Celle-là, c'est à vendre. Ensuite, pour Lisa, Isabelle, voilà, qui a gagné. Donc, voilà, je lui offre un petit livre que j'ai fait aussi à la main. Un petit livre ouvert qu'on peut mettre sur le sapin. Ou elle peut l'utiliser dans le scrap, n'importe. Voilà. Je les trouve très mignons. Elle peut le mettre aussi sur un album, voilà, sur une tranche d'album. Voilà, c'est les. J'ai le tuto sur ma chaîne, hein, si vous voulez regarder. Voilà. Ça, pareil, je vais l'emballer. Voilà. Je lui ai. Donc, ça, c'est un sac que j'avais fait il y a longtemps. Et je l'ai rempli avec des découpes de Noël. Les découpes que j'avais fait. Avec les bouteilles de coca, vous savez. Voilà, vous savez, c'est le coca que j'ai découpé avec la machine. Il y a une feuille, il y a un chien, un chat et un Père Noël. Voilà. Ok. Et ici, j'ai mis des cartes de Harry Potter. Voilà. Parce qu'elle elle aime bien Harry Potter, hein, parce que sur son kiss, c'est marqué derrière Harry Potter. Bon, là, ça se décolle, par contre, alors je recolle. Ça va, c'est le
Le scotch qui est pas bien. Voilà, donc je lui offre la petite valise, le petit sac. Voilà. Je lui offre un pochoir. Bon, c'était chez Noz, hein, que je l'avais eu, je crois. Hein, parce que c'est les étiquettes jaunes, en général, c'est Noz, je ne me rappelle plus. Voilà, un pochoir avec des arabesques. Ça, je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent. C'est un cupcake avec la bougie, avec les dice. Donc, je lui offre ça, parce que j'en ai pas l'utilité, puis j'en ai déjà, voilà. Donc, je lui offre ça. Ici, c'est des découpes de poinsettia, que j'ai déjà emballé. Donc, c'est des poinsettia, hein, en découpe. Ici, j'avais des autocollants vintage. Je sais pas si elle va aimer, mais bon, voilà, ça peut servir. Ça peut lui servir. Ici, ce sont des petits cadres ou des étiquettes 3D autocollantes. Voilà, très sympa. Voilà. Ici, donc ça c'est aussi chez Noz. Je ne vais pas l'ouvrir hein, parce que je ne l'ai pas ouvert. Donc c'est une petite licorne avec marqué des étoiles plein les yeux. Il y a des cœurs, il y a des étoiles filantes, des étoiles, vous voyez. Voilà, donc elle gagne ceci. Elle gagne aussi un set de tampons que j'avais eu à Ciao Bella. Hein. Donc je l'avais acheté sur un groupe Facebook. Voilà. Tout sur les cocktails. Là c'est... Ouais, là c'est de la pomme. Là c'est des pommes aussi. Avec de la cannelle. Du thé, ça c'est une pomme avec un rouleau de cannelle, puis ça c'est un peu Noël, ça fait étoile, une orange, des branches de sapin, voilà, hot apple cider, ouais, c'est avec des pommes quoi, home sweet home, voilà, je l'ai acheté pour moi, et puis non, je lui offre, voilà, j'y offre ça, j'avais eu aussi chez Action, il me semble, voilà, ça sera pour la petite Alice, ou elle, hein, comme elle veut. Voilà. Je lui offre un porte-stylo que j'ai fait moi-même. Porte-stylo, voilà, qu'on met sur une page. Je vous montre. Alors, on le met sur une page comme ceci, avec le trombone. Et ensuite, on met son stylo dedans. Hop. Et on peut le mettre dans un magazine ou dans... Par exemple, les mots croisés, ceux qui font des mots croisés, ben, ils ont hyper pas le stylo, il est sur le bord du livre. Donc, je trouve ça très sympa, très utile, et voilà, j'espère que ça lui plaira. Je lui ai mis du ruban rose, là, un bon paquet de ruban. Je lui ai mis deux gros paperclip avec... Le petit rebord là pour mettre, on peut faire des bijoux d'album avec, voilà, en accrochant ici les bijoux d'album et puis en mettant le truc sur la tranche là, c'est ce que j'avais fait sur un album et c'est super bien, donc j'en ai mis deux, voilà. Je lui ai mis des petites mini enveloppes que j'avais fait, voilà, je l'avais fait en tuto même je pense sur ma chaîne. Voilà, j'ai 6 petites enveloppes fait main pour elle en cadeau. Bien sûr, un kiss, hein, parce qu'elle m'avait offert un kiss. Voilà, un kiss que j'ai fait. Bon, là, c'est simple. Hein, voilà. Un kiss avec tous mes renseignements derrière. Une carte de meilleurs voeux, hein, parce que c'est pour la bonne année aussi. Ça, c'est un petit cœur que j'avais fait au crochet, donc je vous offre comme ça. Et là, la petite pochette que j'avais fait le tuto aussi sur ma chaîne, avec du thé et un chocolat. Voilà. Je peux pas mettre plus parce que c'est bombé, alors voilà, c'est marqué Joyeux Noël et les petites biches. Voilà, j'espère que ça va lui plaire. Il y a pas mal de choses quand même, j'espère qu'elle va être contente. Voilà. Je vais donc
tout mettre ça ensemble. Et je vais mettre ça dans ce carton-là. Et pas oublier la petite valise pour Alice et le petit livre. Voilà. Donc, voilà, j'espère que Isabelle, ça te plaira. Et que Alice aussi. Je pense qu'elle mettra tout sur sa chaîne aussi. Elle a une chaîne, Sophie... Non, je me trompe toujours avec Sophie. Je ne sais pas pourquoi. Scrap Lisa 89. Voilà. Et je vais emballer ça. Et puis, je vais lui envoyer. Mais la vidéo passera dès qu'elle l'aura reçue. Voilà, merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne soirée parce que moi, c'est le soir. Gros bisous. Au revoir.